Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en Champagne pour l'essai de ce tout nouveau Cupra Formentor. Donc qu'est-ce que c'est le Cupra Formentor? C'est la première voiture à ADN 100% Cupra. Pour faire plus simple, en fait, avant, ils avaient fait le Cupra ATK, je crois qu'il y en a une autre voiture, Cupra Leon, des Cupras dérivés de chez Seat. Cupra avant c'était une appellation sport chez Seat et c'est devenu une marque à part entière, un petit peu comme DS avec Citroën. Ce Cupra Formentor c'est le premier modèle exclusif de Cupra que vous retrouverez uniquement chez Cupra et pas chez Seat. Juste d'abord je vais vous parler un petit peu du style, on va faire le tour. On a une teinte ici bleu pétrole mat qui est assez rare quand même sur un petit SUV, une petite teinte mat. Et il y a un contraste entre le bleu mat et la teinte gris foncé brillant et le noir brillant des calandres qui est assez joli. Donc on a des phares full LED de série, je vais vous parler d'ailleurs des équipements de série qui sont, la liste est assez longue, c'est assez impressionnant et très très bien équipé de série. Profil avec une ligne de toit qui descend légèrement, qui rappelle d'ailleurs un petit peu l'Alfa Romeo Stelvio je trouve de l'arrière. L'arrière de cette voiture, il est magnifique. Alors je vais essayer d'allumer les LED, voilà. C'est ça qui est hyper beau, c'est le bandeau de LED à l'arrière tout court de cette voiture, je le trouve vraiment sublime. Une ligne arrière comme ça qui descend avec la petite casquette qui franchement donne un effet sportif de l'arrière, ça descend et puis ça fait une petite cassure comme ça avec cette ligne de feu et les courbes ressortent super bien avec cette teinte mate. C'est aussi peut-être les phares en triangle qui me rappellent un petit peu l'Alfa Stelvio. On a le nom de la marque, Cupra, avec le petit badge à l'arrière. Cette teinte voilà, brillante qui fait contraste avec le bleu mat. Diffuseur en noir laqué, 4 sorties d'échappement. On a les petites arches de roue aussi gris brillant. Et donc sous le capot, on a 1,2 litres, 4 cylindres, turbo, 310 chevaux, 400 Nm de couple. On est bon pour un 0 à 100 en 4 secondes 9 avec le launch control. 250 km/h auto-limité. Et je vais vous parler des équipements parce que ça, c'est assez impressionnant. Donc de série, on a les phares full LED et c'est sur l'équipement intérieur que la dotation de série est assez impressionnante. Je vous montre l'intérieur. Ici, des sièges sport en option qui sont hyper beaux. Franchement, c'est des sièges que, sortis de leur contexte, moi j'aurais pensé que ça venait d'une voiture beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus premium. Avec le petit logo ici en relief, ils sont moelleux, ils sont en cuir bleu, l'intérieur cuir bleu est magnifique. Le volant sport Cupra avec le petit centre en imitation carbone et toujours ces petites touches de bronze un petit peu partout. On a deux séries, le Digital Cockpit qui fait un peu plus de 10 pouces et le système de navigation 3D sur l'écran tactile HD de 12 pouces. L'écran est très bien fait. Le Digital Cockpit avec les vues qu'on peut changer à sa guise. Moi, c'est celle-ci que je préfère avec le compteur central. Mais même ça, tu peux choisir ce que tu mets sur les côtés. Et tout ça, c'est encore personnalisable. Tu peux mettre les vues comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est le volant sport qui est de série avec le cuir perforé et les surpiqûres. Et les petits boutons ici d'engine start et ici qui permet de sélectionner les différents modes de conduite qui est très pratique. De série, on a la connectivity box ici qui permet de charger ton téléphone par induction et un système CarPlay sans fil de série. Cupra, c'est une marque espagnole mais ça vient du groupe Volkswagen donc c'est allemand, c'est quand même très sobre. Et voilà, ça, ce petit tableau de bord, alors c'est pas du cuir, c'est une imitation cuir, c'est un plastique imitation cuir avec des surpiqûres. C'est très joli. On a en option ce grand toit ouvrant panoramique. Franchement très ergonomique, très sobre. Tu vois ici, t'as les petits rangements ici pour tes boissons, tout ce que tu veux. Ici, sous la coudoir, il y a de la place aussi. Il y a un gros bouton qui permet d'enlever l'antipatinage. Ça, c'est marrant, j'aime bien. Et ici, le petit sélecteur des modes de conduite. Un petit peu comme chez Porsche, tu vois, c'est très sympa. On a des palettes, des belles palettes qui sont derrière le volant. Sur celle-ci, en option, on a le pack hiver, donc siège chauffant, volant chauffant. Et il y a un truc, par contre, je pense qu'au bureau d'études Cupra, ça devait sembler être une bonne idée, mais qui dit, j'ai un truc trop stylé, c'est que je vais pas mettre de boutons, je vais mettre des boutons tactiles pour que ce soit plus sobre. Donc tu vois, tout ça, c'est des boutons pour contrôler la clim. Mais en fait, tu sais pas vraiment si t'appuies dessus ou pas. Il n'y a pas de retour haptique, tu sais pas si ça clique
ou pas. Pareil pour les phares ici, tu peux appuyer dans tous les sens. Alors il va se passer quelque chose, hein. Tu vois, ça marche très bien. En revanche, tu sais pas exactement quand t'appuies dessus. Et c'est un petit côté frustrant. J'aime pas ces boutons, je pense que vous l'avez compris, c'est pas très grave. En option, on a aussi les jantes ainsi que le système de freinage sport Brembo, qui est une option à un peu plus de 2000 euros, donc c'est une des options les plus chères sur cette voiture. Maintenant qu'on a fait le tour, on va écouter la sonorité du moteur. On a 4 sorties d'échappement, donc ça devrait peut-être faire un petit son sport, et on va y aller. Et nous voici à bord du Cupra Formentor. Donc pour l'instant dans son mode le plus confortable, le mode route, il y a plein de modes de conduite et t'appuies successivement toujours sur le même bouton, le bouton Cupra, qui enchaîne les modes road, sport, Cupra, individuel, montagne et re-road. Donc en mode road, voilà, là on est sur une petite départementale un petit peu bosselée. On va voir ce que ça donne. Mode full auto, on est sur une boîte DSG à 7 rapports, la boîte Volkswagen, boîte à double embrayage. Et donc on a un petit 2 litres turbo de 310 chevaux, 400 Nm de couple. Donc on sent que les suspensions ont été réglées un petit peu sport sur une route bosselée comme ça. Bah ça bouge un petit peu. Après c'est une sorte de petit SUV qui a une ligne presque SUV coupée, moi je trouve, qui est très 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 belle. Il y a des prétentions un petit peu sportives. On est quand même dans une Cupra. Trêve de plaisanterie, on va pas rester très longtemps en mode route. On est là pour voir ce que ça a dans le ventre. Je me mets en mode Cupra. Et alors tout de suite, dès que tu touches au mode Cupra, on n'entendait absolument rien au niveau moteur. Veuillez conduire au milieu de la voie. Mais écoutez, on va essayer. Donc quand tu mets en mode Cupra, ça met tout à la position sport maximale. Donc tu as un durcissement de la direction. La réponse à l'accélérateur va être un petit peu plus sensible. La boîte se met en sport d'office. Mais tu peux la repasser d'une pression en drive. Et nous, on va mettre en sport. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que dès que tu mets sport ou Cupra, tout de suite, tu entends un grognement. Un grognement qui se met en route et qui vient des haut-parleurs. Ça vient absolument pas de l'échappement. Peut-être qu'il est un poil plus sonore l'échappement. Mais quand tu accélères, tu as l'impression de conduire un gros V8. Ah, on a vraiment l'impression de conduire un gros V8, ça c'est marrant. Et en mode, alors il y a le mode Cupra, il y a le mode sport et il y a le mode individuel. Et dans le mode individuel, tu peux régler cette sonorité. Si pour toi ça c'est trop, tu peux un petit peu diminuer avec un curseur tout simplement la sonorité qui vient des haut-parleurs. Ça vient des haut-parleurs, mais c'est assez marrant. Donc, tout à l'heure on conduisait, ça a fait un bruit, j'essayais de le refaire. Parce qu'en fait la voiture est très écolo, tu vois, elle est filtrée, fappée, tout ce que tu veux. Donc derrière il y a plus beaucoup de bruit qui sort, mais à un moment j'ai fait un rétrogradage, ça fait pas. Faut que j'arrive à vous le refaire absolument. Mais en mode sport et en mode Cupra, il y a des petits retours à l'échappement. Alors ça avec une ligne, ça doit... La voiture est dotée d'un launch control, je vais vous le montrer tout de suite. On sort du village, on va faire un petit 0 à 80. Donc pour ça, tu mets la boîte en S, un coup d'anti-patinage off, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Et là, ça y est, on est en mode sport. Je vais le mettre en manuel. La voiture est dotée de série de suspensions pilotées. Pour ce prix-là, je trouve ça assez incroyable. Et donc en mode Cupra, c'est beaucoup plus dur. En mode sport, un petit peu moins. Et en mode confort, c'est confortable. Ce qui fait que sur la route, voilà, tu peux avoir un comportement souple. Ça filtre bien les aspérités de la route. Et en sport, ça va être plus dur. Tu vas être plus en contrôle de la voiture. Boîte DSG excellente sur un SUV comme ça. Je m'attendais pas à avoir une boîte qui répond autant. Elle est encore plus rapide au rétrogradage qu'au passage de vitesse. C'est incroyable. Et on a les freins Brembo Sport. Alors je préviens mon passager que je vais freiner à la prochaine ligne droite très fort. Ah! Ah, ça s'arrête, hein. Ça s'arrête bien. Même le téléphone, il a pas aimé. Allez, c'est reparti. Alors, je sais pas ce que vaut le système de freinage de série, mais il y a un bon mordant.
la pédale de frein a un très bon feeling. Quand tu appuies dessus, il y a un bon mordant et surtout la pédale est assez ferme. Du coup, tu peux te faire des freinages un petit peu sportifs sans être une voiture de course, tu vois. Il y a un bon feeling dans la pédale, je peux pas le dire autrement, c'est assez ferme. Et quand, plus tu appuies fort, plus ça freine. Pour un peu moins d'une tonne 7 annoncée, on est pas mal. La direction a une bonne consistance, alors après, tu ressens pas trop la route dedans, mais elle a une bonne consistance. Tu peux t'amuser un petit peu sur les routes sinueuses quand même. Alors en effet, tu vas pas sentir la route comme dans une GT3 RS, mais en même temps, on n'est pas du tout sur une supercar. Hein. Ah, vous avez entendu. C'est bon, j'ai réussi à le filmer. On descend rapport, boîte en manuel, c'est parti. Franchement, pour un petit SUV comme ça, 310 chevaux, vu les puissances que vous voyez habituellement sur la chaîne, ça peut paraître un petit peu bas, mais la voiture n'est pas trop lourde, hein. Elle est annoncée à moins d'une tonne 7 quand même. Pour l'utilisation que les gens qui vont acheter cette voiture auront, 310 chevaux c'est largement suffisant. Et la question qui reste un petit peu en suspens, c'est à qui s'adresse cette voiture? Est-ce que c'est au jeune père de famille qui aime un peu les sportives et qui a envie de pouvoir s'amuser un petit peu tout en emmenant ses enfants à l'école? Après, si t'as pas d'enfant, ce qui est mon cas, tu peux quand même t'amuser avec. Et t'as de la place derrière pour tes amis, ta famille, ce que tu veux dans le coffre. La place est pas ridicule. Et ce mode sport, il est marrant. Hein. T'as le son dans les enceintes, ça te donne l'impression qu'il y a comme un petit 5 cylindres turbo de chez Audi sous le capot, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça avance. Hein. Ça avance, ça avance. Mais le combo moteur boîte frein, très très cool. Et évidemment, j'ai peut-être oublié de le dire, mais on a 4 roues motrices. Même un launch sur le mouillé qu'on a essayé tout à l'heure, ça patine pas. Donc la voiture est configurée très safe. Mais en même temps, sur les petites routes, tu t'amuses sans craindre pour ta vie. Parlons du prix quand même de cette voiture. Prix de base, on est à 44 670 €, donc sans option. Ce qui est franchement pas très cher pour une voiture qui offre autant, une voiture de ce niveau avec ses performances et surtout ce niveau d'équipement intérieur. C'est plutôt un bon prix, je trouve. Après, voilà, les options, les sièges en cuir bleu, ils sont magnifiques. Les belles jantes et les freins Brembo, je pense que c'est un truc à prendre. Sur celle-ci, avec les options, on arrive à 53 690 €. Ce qui reste, somme toute, pas trop mal. Alors, quand tu regardes à l'intérieur, tu vois où ils ont gagné un petit peu sur les économies. Hein. Ici, c'est pas aussi beau que sur la planche de bord. Et derrière, ça fait vraiment pas le même bruit. Ça fait vraiment un bruit un petit peu comme ça. Donc, il y a eu des économies de fait sur les matériaux. Forcément, pour atteindre un prix aussi bas, je dirais. Mais dans l'ensemble, c'est très très propre. Et c'est encore plus propre que sur le Cupra ATK que j'avais essayé l'année dernière. Donc le Cupra Formentor est disponible dès son lancement en novembre avec 7 motorisations. Celle-ci c'est la plus puissante, hein, le 2 litres turbo de 310 chevaux. Parmi ces 7 versions, il y a une version hybride et ils nous ont dit qu'il y aurait une version plus puissante qui sortira un petit peu plus tard. Alors étant donné le format de la voiture et que c'est une voiture du groupe Volkswagen, on peut espérer qu'ils y mettent le 5 cylindres turbo Audi qu'il y a dans l'Audi RSQ3 pour arriver sur une puissance de 400 chevaux. Qui va commencer à être vraiment très marrant sur ce genre de voiture, parce que là 310 chevaux ça a assez de patates pour t'envoyer par la caisse commissariat, 400 par la caisse prison en fait. Je vous ai pas montré la clé, donc la petite clé du Cupra Formentor, elle est classe et c'est le même système de boutons que j'aime pas qu'il y a dans la voiture en fait. Mais bon, sur la clé ça marche mieux que dans la voiture quand même. Mais c'est du détail, tu vois, si la seule critique de la voiture c'est les boutons tactiles, ça te montre quand même le niveau de la voiture. Et on a une boîte qui répond presque comme une PDK. C'est au rétrogradage. Alors en effet, t'as pas le bruit de flat 6 au rétrogradage, mais au niveau réactivité, c'est assez impressionnant. À la conduite, les palettes, je trouve, sont un petit peu loin des doigts. Donc si t'as vraiment des petites mains, ça se trouve, tu pourras pas jouir du mode manuel. Ce serait dommage parce que la boîte est vraiment excellente. Les palettes sont fixes derrière le volant, hein, pas sur la colonne de direction. Ah, là, on va pouvoir s'amuser un petit peu. C'est pas suspendu trop ferme, mais on sent que le châssis est plutôt rigide. C'est pas une voiture qui est faite pour le circuit ou pour faire un chrono, mais tu peux t'amuser et franchement,
elle est assez sérieuse dans les virages, c'est assez agréable. Bilan de cet essai Cupra Formentor, bonne surprise. J'avais hâte de l'essayer parce que Cupra, c'est une marque très récente qui font des petits SUV sportifs, ce qui se vend énormément en ce moment, on se le cache pas. Hein, c'est aussi pour ça que les premiers modèles, c'était un SUV. Et là, leur troisième modèle, c'est un petit SUV sportif. J'avais hâte de l'essayer parce que la ligne extérieure, surtout l'arrière, franchement, je la trouve sublime. Et je me demandais si le comportement était au niveau du look. Ben, pas déçu. Le petit moteur, il fait le job. Bon, après, on aurait aimé un peu plus de sonorité, mais avec les normes actuelles, c'est devenu impossible. Peut-être qu'une ligne pour les plus téméraires changera ça. Je résiste pas, je vais vous refaire un launch control, vous allez voir. Il a de la patate, hein. Oh, ça décolle. Franchement, ça, pour un daily un peu sportif, c'est top. Et le prix est un peu contenu, donc quasiment que des points positifs sur cette voiture, un bilan. Juste les défauts, c'est vraiment les boutons tactiles, là, c'est une horreur. C'était peut-être une bonne idée sur le papier, mais... Et la sonorité qui est un tout petit peu trop factice venant des enceintes. T'as l'impression de conduire une AC Cobra de temps en temps en ville, alors que t'es dans un Cupra Formentor quand même. Écoute. C'est marrant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Cupra Formentor. Qu'est-ce que vous prendriez en alternative pour le même budget quand même, parce qu'on n'est pas très cher. Je vous remercie de votre fidélité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !